Nous sommes présentement à l'Arsenal de Montréal où nous allons vous faire découvrir l'exposition Imagine Van Gogh. Inaugurée depuis décembre 2019 à Montréal et couronnée de succès, l'exposition a déjà attiré plus de 200 000 personnes. L'exposition Imagine Van Gogh propose au public de se promener au cœur de projections géantes extraites de plus de 200 toiles de l'artiste. Le projet a été conçu en Europe avant de traverser l'Atlantique. La designer Andrea Matos a visité l'exposition de Paris ainsi que celle de Montréal et nous parle de son expérience. L'exposition à Paris était vraiment incroyable. Je trouve que ça a été un super travail de direction artistique. Il y avait une bonne combinaison avec la musique, la direction musicale et aussi la direction visuelle. L'art immersif, je trouve qu'elle fait la connexion entre deux univers différents, la musique et aussi pour les gens qui aiment la peinture. Donc, c'est intéressant quand même. Et aussi pour les jeunes, parce qu'ils vont regarder ça, ils vont être plus intéressés pour une expérience interactive peut-être, d'immersion dans ce cas-là. Des spectateurs de tout âge sont invités à découvrir l'œuvre du grand maître d'une nouvelle manière, intégrant musique et projection. I really liked it. I like the combination of the music and the images, and it brings you into this emotional sensory experience. Les toiles sont toutes dispersées, puis ça nous permet pas de se déplacer, on fait juste s'asseoir, puis on les regarde, puis ben, j'aime beaucoup ça. Alors voilà, moi j'ai adoré cette exposition. Elle reste à l'Arsenal jusqu'au 5 avril 2020. À bientôt, on vous y verra.